On est bien au 5 rue des Bruyères, ici à Courchevel-Verny. Oui, monsieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez vous? Ça tremble? Ah, chez nous, non seulement ça tremble, mais ça bouge énormément. Et un jour, nos maisons vont s'écrouler tellement elles sont fissurées. Elle tient avec une dizaine d'étés. Alors, les premières fissures sont apparues en 2015. On nous a dit que c'était pas grave, que c'était des fissures d'esthétique, parce qu'elles étaient vraiment microscopiques, quoi, à peine un millimètre. Mais au fur des années, avec les sécheresses, les grosses chaleurs, eh bien ces fissures augmentent. Il y a eu des années, comme en 2019, moi je pouvais mettre un bâton dans les fissures jusqu'à 70 cm de profondeur. Ça veut dire que votre pavillon est concerné, mais est-ce que c'est le cas dans le voisinage? Ah oui, ici sur le lotissement, il y a beaucoup de maisons qui sont fissurées. Là, je vais vous emmener chez une voisine dans un autre lotissement. Et puis, ben, vous allez voir, c'est aussi pire que chez moi. Là, regarde, là. Il y en a une autre qui vient d'apparaître, là. Là, ici, ouais, je l'ai vue tout à l'heure. Ouais. Là. Ouais. Oh, mais ça pète, hein. Mais de toute façon, de là, tu vois, ça c'est descendu. Ça, on voit bien. Donc, je ne peux plus accrocher mon volet. On voit bien, là, que c'est descendu. Il ne rentre plus, là. Ouais. Mireille, chez vous aussi, il y a des apparitions de fissures depuis... 2015. Depuis 2015, ça s'est aggravé les trois dernières années, là, avec les grosses sécheresses qu'on a eues en plus. Et vous voyez, ça n'arrête pas de descendre. De toute façon, ma maison descend sur le côté du mur. La maison est descendue de 4 cm du côté de la rue. Et ça a des conséquences sur votre vie quotidienne? Ah bah bien sûr, bien sûr. Et d'abord, on a peur parce qu'on entend des craquements, on se demande si la maison va résister. J'espère que oui. Et au quotidien, même si les chambres ne sont pas touchées, c'est stressant? Bah bien sûr que c'est stressant. Rien que l'hiver, là, ça passe à travers les murs, la fraîcheur. On nous demande de faire des économies. Moi, je suis chauffé au gaz. J'ai des grosses factures élevées de gaz. J'ai 1 300 € de chauffage à l'année. Hein. Donc vous êtes tous dans la même démarche? On est tous dans la même démarche. Donc tous les ans, on refait un courrier à monsieur le maire, lui demandant de représenter le dossier à la commission interministérielle pour obtenir cette reconnaissance. Et ça fait depuis 2015, ça fait 8 refus que nous essuyons. 8 ans, moi j'ai jamais vu ça. 3-4 ans, je veux bien, mais là, 8 ans. Puis après, c'est une bataille avec les assurances. Ah bah ça oui.